Il a vu mon totem? Moi aussi j'ai vu. On va voir maintenant s'il y a quelqu'un qui va apparaître juste là. Avec effusion, il a un bonus pour se débattre. Donc ce qu'il va faire, c'est que dès qu'il sera libéré, il va revenir ici pour retirer le piège. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver le piège. Il faut que je le protège, le piège, malgré tout. Et c'est un problème pour moi, pour la simple et bonne raison que le piège en question... voilà. Le thème. Là. Dominez ce qu'on a. Vous allez entendre le clac du piège, là, en face. Parce qu'il va essayer de désamorcer, il va revenir. Soit il va désamorcer le piège. Voilà. Ok, 1, 2. On va complètement miner le centre de la map. Bah déjà repéré, complètement repéré, bien sûr. Évidemment. On sait que là, il y a de quoi se prémunir. Est-ce qu'il y a une palette là? Est-ce qu'il y a une palette là? Il y a une palette. Faut... Elle est en face, elle me voit. Elle me voit là. Donc là, si elle détruit, voilà, elle va quitter tout de suite la zone. Donc là, c'est problématique pour moi. Elle sait qu'elle est en danger, donc elle va s'éloigner un max. J'ai entendu quelqu'un péter. Mais non, tu veux pas de rituel sous mes yeux. Et qu'est-ce que... Et pourquoi tu veux... Mais non, faut pas faire de rituel. Non. Il faut pas faire de rituel sous les yeux d'un tueur en série. On ne fait pas ça. Voilà, vous avez vu une palette tomber pour rien? Oh, ok. Elle a des chances à me détruire le totem. Juste là. Si elle détruit, ça va être... Voilà. Donc là. Ça fait deux stacks. On sait qu'il n'y a personne. Et là, elle risque les haricots. Elle risque vraiment... le... dead. Donc je vais réactiver là. Je vais m'éloigner. En espérant qu'elle va pas se faire décrocher tout de suite. Elle va me laisser faire quelques mètres. Voilà. Genre maintenant. Là. Ah, c'est pas bon. Voilà. Maintenant, si elle veut jouer à la maline, elle va le faire. J'ai trois stacks. Elles ont tout intérêt à détruire mon totem. Voilà. Et là, elle sait. Elles savent. Elles savent. Des dards, pas des dards. Ok. Deux au sol. On retourne par là. Bah ouais. Là, c'est compliqué parce qu'en plus de ça, j'ai deux accessoires. Le premier qui fait que les pièges s'ouvrent automatiquement. Le deuxième fait que ça blesse quand c'est désamorcé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'accrocher elle, et soit ils vont la décrocher. Voilà, sauf que non. C'est trop proche. J'ai un piège hyper proche. Ah, elle a intérêt à partir. Complètement intérêt à partir. Donc je réouvre. Et là je vais en face. Donc elle s'éloigne. Elle va se faire décrocher maintenant. Et doucement mais sûrement, j'ai mes stacks qui vont s'activer. Elle va essayer de reprendre la sortie à gauche, mais le piège sera sûrement fermé pour elle. Là, ici, parce que j'avais posé un piège. Au lieu de se faire libérer, je vais avoir un quatrième stack. Pas besoin d'aller plus loin. Voilà, pas l'aide pour rien. Juste casser ça. Ils vont pas le libérer. S'ils libèrent, ils me donnent un jeton.
Donc je vais en profiter pour refaire des citrouilles. Le totem en question, c'est un totem maudit. Qui fait que... un totem ensorcelé. Donc qui a mon avantage. Qui fait que c'est lié à une compétence. Tant que ce totem est actif, la compétence est active. La compétence active fait que à chaque fois que je m'éloigne de... Voilà. À chaque fois que je m'éloigne du crochet où j'ai suspendu quelqu'un, à chaque fois, en m'éloignant suffisamment, eh bien, quand le survivant est décroché, ça m'apporte un jeton. Au bout de 3 jetons, je peux mettre au sol quelqu'un automatiquement. Ah, très bien. Arrivé à 5 jetons, voilà ce qui va se passer. Ça, c'est un petit avertissement, les enfants. Ça, c'est 5 jetons. Donc maintenant que la Feng... Petit avertissement. On va tranquillement y aller. C'est qu'elle est là. Elle a tout intérêt à m'emmener loin. Elle a une palette, donc c'est intéressant pour elle. On va faire moonwalk. Tu sais qu'il y a quelqu'un ici. Et je vais s'ouvrir tout seul, hein, j'ai pas intérêt. C'est elle. Elle est là. Voilà. Donc je vais la récupérer. Je vais l'emmener par là. Avec, j'ai une paire qui permet de voir autour de moi qui il y a quand je porte quelqu'un. Deuxième avertissement. Ah, deuxième avertissement, ouais. Allez, elle est là. Ne touchez pas à mon totem. Deuxième avertissement. Hmm. 1, 2, 3. Ok, on sait qu'il y a quelqu'un ici. Ah. Il y a quelqu'un qui vient là. Tu sais qu'elle a fait le tour. Par là. Qu'elle va sauter. Donc là, elle est foutue. Elle avait une compétence pour avoir un speed. Boost avec son saut. Donc là, c'est foutu. Parce qu'elle peut plus revenir par là. Donc elle a continué tout droit. Donc ça, c'est un bon move. Très très bon. Quand elle le fait. Voilà. Et ralentir. Inévitable. Donc là, ça par contre, c'est un autre... Avertissement que je fais, c'est s'ils ont envie de réparer ce moteur. TG, 3. 3 avertissements, personne n'a touché mon totem. L'honneur est sauf. Mais vas-y, désamorce. Moi, j'attendais que ça. Franchement, j'attendais que ça. Le Twisted Fable? Non, je connais pas. C'est sûr qu'il y avait quelqu'un là. Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien.
Ok. On va mettre ça ici. Toujours un plaisir de stream reposant. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas des survivants, mais... Peut-être, peut-être, peut-être que ça sera le cas. Peut-être qu'ils reposeront éternellement. 1, 2, ouais. Un trigène nul. Ok. Ou qui est plus le cas. Là. Hey, salut. Faut tomber la palette pour rien. Non. Ok. Oh, vas-y, va là-bas. Oui, va là-bas. Super proposition. Super idée. Au top. Okay. Ah, oui. Au top. Giga top. Oh non. Oh non. Ah, ok. C'est pas grave. Ouais, t'as eu raison. T'as eu raison. T'as eu raison. C'est ça, ouais. Attends, t'as pas fait ça? Ok. Soit. Deuxième moteur là. Bon, ils sont tous blessés, donc c'est hyper intéressant pour moi. Ok. On va poser ça là. Ils sont tous blessés, ils ont tous blessés. On va mettre ça là. Ouais, c'est bien, c'est bien. On sait qu'il y en a un caché là, dans le coin. Il va jouer avec mes nerfs. On le sait. Est-ce qu'il va aller là? C'est lui. Ah, il s'est soigné, il y a une trousse de soins ou quoi? Vas-y. T'es à la gauche, quand même. Vas-y, palette. Mais... Je comprends pas. Ça, je comprends pas. Je ne comprends pas ce que... Comment est-ce qu'il a fait? Il est parti à gauche et il a disparu. Vraiment, je comprends pas. Mais genre, vraiment, là, il est... C'est hyper chaud. C'est pas la première fois. Franchement, c'est pas la première fois qu'il l'a fait. Non, et c'est pas juste un ninja, c'est trop bizarre. C'est un simple tir. Regardez, il est là. Regardez. Mais regardez! Non, non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Il est bon en cache-cache. Non, mais il est pas juste bon en cache-cache. Il y a... C'est... Saute. Celui qui a pas envie. Ah ouais. Il est très très bon, quoi. Ok. Il est probablement genre giga bon, hein. Probablement que c'est le meilleur ninja des temps modernes, hein. Peut-être, hein. Ça souffre fort, hein. Ça souffre fort. Par contre, là, ça troll fort. Et pourquoi pas, pourquoi pas. Quoi? Quoi? Quoi?
What? Ok, parti à gauche. Tu peux plus rentrer. Okay. Quelqu'un à gauche là. Ok. Ah, tu as tombé hein. On va s'éloigner. Et par là. Hein. Pour avoir un... Il est trop bizarre cette partie. Bon, j'ai mon moteur qui est. Mon moteur, mon stack qui est ok. Non. Ok, et demain. Grâce. Compétence, je vois à travers les murs. Donc on sait qu'il y a quelqu'un là. On va poser ça ici. On va. Et directement. On va foncer pour qu'il se fasse décrocher. Ouais, là. Ok, c'est bon ça. Bon, les trois sont là. Bah écoutez, pourquoi pas. Les rollbacks un peu bizarres. Hein, mais... Quand tu flashes avant Volt, ton perso part dans la direction que tu regardais. Yusuke. Ok. J'espère que quelqu'un va décrocher. Hein. Pour avoir un autre stack. Ça, c'est bon. On sait qu'il y a quelqu'un ici. Lui. Ouais. En face, il y a quelque chose. Une palette là. Oh lui il s'est libéré. Arrêtez, c'est pas possible ça. Ah vrai ça. Oh, oh non. Non non il va détruire moi. Elle va le détruire. 3, 2, tout le monde dit au revoir. Démolir. Ouais, t'as pas envie, évidemment. C'est fatigant. Les hitbox, c'est fatigant, je vous jure. Ok. On a vu. Ok. On a 3 moteurs. Ok, ok. On va essayer de changer notre fusil d'épaule. Ah oui. Bon, il est à droite. Allez, on va finir le moteur en face. Ah, ils sont bons et je sais pas, assez protégé mon totem. Et pourquoi pas, ils vont le finir là sous mes yeux. Si c'est le cas, colère, colère. Ok. Bon, c'est pas colère, colère. En revanche, on va condamner celui-là. Ah, je veux bien tous les tuer. Compliqué, cette histoire. Okay, on va récupérer, en revanche, nos pièges. On était trop concentré là-dessus. Le totem a été visible. Nous, on va essayer de condamner l'accès à cette porte de sortie. On a un moteur ici qui est probablement un peu bloqué. On va essayer de le condamner également. Vas-y. Fais ça. Ouais, est-ce que c'était une bonne idée? Réponse. Bof. Voilà. C'était rigolo quand même. Rigolo quand même.
Voilà, on va initialiser ça. On va aller tout droit. C'est qu'un moteur par là. Qui est bien avancé. Bon, fini. Papa. C'est qu'il y en a un là. Il va rentrer. Vas-y. Très bien. Du coup, on va faire ça. Ça. Et... finito. Très bien. Je vais me prendre le piège. Normal. Par contre, il y en a un qui est ici. Le piège n'est pas ouvert là. On sait qu'il y a le... petit coquin qui est là, qui va se prendre le piège s'il fait le, la loupe. On va le rabattre. Ok, ok. Elle qui est re-là. S'il fait le tour, il va se prendre le piège. Là, il peut pas louper. Là, là il peut pas du tout louper. Voilà, c'est intéressant. On va le poser ici. On sait qu'il y a quelqu'un d'autre ou pas? J'ai l'impression. Ok, lui il est là. Et elle. Ok. 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 C'est que lui, il est là ou pas? Ok. On a suffi... non, non. Non, non, non. Non. Quand même. C'est indécent, quand même. Cette histoire. Ok. C'est qu'il y en a un là. Ok. C'est qu'il y en a un ici. Alors, le piège là-bas il s'ouvre. Et les deux sont blessés. Est-ce qu'il revient par là? Aucune idée. Les deux se soignent. Oh, je pourrais les forcer. Hein. Je pourrais les forcer à sortir. On va faire ça. Ils se soignent là-bas. Les deux. Donc on va aller par là-bas. Je pense qu'il y a vraiment moyen qu'ils s'en sortent tous les quatre. Ouais. Ils vont pas avoir le temps de venir ici. Ils vont pas avoir le temps. Par contre, ouais. On va pas s'acharner sur l'autre. Bien vu, le petit body block, il va bien. Et ils peuvent plus body block là. On sait qu'il y en a un là. Donc on va aller dessus. Sur lui, hein. On va aller sur lui. Voilà. C'est que lui est là. Eh, c'est compliqué, hein. Franchement, cette fin elle est un peu compliquée. Elle est hyper intéressante et compliquée. Ouais, merci. Du coup, on va récupérer le petit bonhomme ici. Il est parti où? Ok. On aurait dû récupérer le... on aurait dû récupérer lui en face qui le récupère assez vite. Il n'a pas envie. Donc il va se relever dans... à peine je vais le poser, il va se relever. À moins que... ok, là non. On va voir s'il y a quelqu'un ici ou pas. Non, personne. Ouais. Parfait. En lui, il est dead. Non, on s'en sort plutôt bien. On sait que les deux sont là-bas. Ouais. Vous voulez faire quoi? Et Sylvain? Vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Elle savait.
Ok. Du coup... C'est qu'il y en a un là. Et qu'il y en a un là. Où est le dernier? Un placard ou quoi? C'est qu'il a fait le tour. Très bien, très bien. Petit boost de vitesse. Voilà, on récupère. On le pose. Juste là. On sait que l'autre va essayer d'ouvrir. Ok, parfait ça. On va en avoir trois. Ok. Ok. Là. Il suffit plus d'avoir de la trappe maintenant. Le mind game, le retournement. Bien joué. Allez, raconte ce que t'as vu. Raconte à tout le monde ce que t'as vu. Thank you.